Aujourd'hui, on est réunis devant l'établissement de la maison d'arrêt de Reims suite à, au meurtre de nos deux collègues qu'il y a eu dans l'heure. Il y a un mouvement de protestation qui s'est soulevé hier en intersyndicale. On a décidé de bloquer l'ensemble des établissements de la région Grand Est qui sont dans l'intégralité bloqués, sur toute la France aussi, dans l'intégralité tous les établissements sont bloqués suite à ce qui s'est passé dans l'heure hier. Les collègues sont choqués, attristés et en colère de ce qui s'est passé. On a plusieurs revendications, on demande que les magistrats favorise la visioconférence plutôt que d'extraire les détenus à chaque fois, une réduction des extractions judiciaires, et on demande aussi que les personnels des pôles de rattachement des extractions judiciaires, les PREJ, puissent être dotés de matériel adapté aux missions. Ce qui veut dire de pouvoir avoir des... je prends un exemple, l'attaque qu'il y a eu hier, on a été attaqué à l'arme de guerre. Nous, on n'a qu'une arme de poing pour répliquer. On ne fait pas le poids face à une arme de guerre. Donc c'est ce qui est important, c'est que les collègues puissent avoir le matériel adapté pour les missions.